Voilà, eh bien, nous sommes le territoire de Québec, là, une très belle corvoirie à l'ours, accompagné de M. Champagne et son fils, de très braves gens, très convivial. On est parti avec les 4x4, avec les quads dessus, c'était très bien. Et puis on a chassé, il y avait les murs d'hommes, on a chassé sur les toiles tentes parce que éventuellement c'est mieux, l'ours ne prend pas les odeurs, il a plu tout le jour, beaucoup de moustiques, Monsieur Champagne m'a prêté des vestes filées, c'était très bien de sa part, parce que beaucoup de moustiques. Et au bout de 2h30, 3h d'attente, j'ai vu apparaître une masse noire un peu dans les branches. Bon, j'ai attendu, et puis il a resté 7-8 minutes. Il regardait à droite, à gauche, j'attendais qu'il sorte. Je voyais une boule noire, quoi. Et puis il est sorti, et il s'est mis sur la viande qui était prévenue dans le sac, bien sûr. Et finalement, bon, là je l'ai bien pris dans la lunette, à l'épaule, et il a tombé pile. Il a poussé un cri. Et moi je le voyais beau, je le voyais au moins 80 kilos. Puis quand je suis allé voir, je croyais qu'il était plus petit. Non, M. Champagne m'a dit, c'est une très belle femelle à 80 kilos. C'est une bonne moyenne dans la couverie de ceux qui se tuent. C'est très bien, et voilà. Je suis très content, au moins 80 kilos peut-être passé, quoi. Félicitations, j'ai bien, c'est un beau, tu sais. C'est une très belle bête. Bon, une belle photo et tout, bon. Et on a resté jusqu'à 10h45 au poste là. 10h45 le soir, c'était nuit noire. J'entendais craquer peut-être d'autres ours, mais enfin, j'ai rien vu. Et c'était des écureuils autour de moi, tout, c'était très bien. Bon. Puis il est venu me chercher un quad, on a passé dans des petits sentiers, dans des sentiers incroyables. C'était vraiment du bonheur, quoi. Et c'est un très bon chauffeur de quad. Il pourrait faire le championnat de France. C'est Yvon Champagne. Il est très très bon en quad. J'avais un peu peur parce qu'on a passé des endroits que c'était pas évident. Et on a passé une très très belle journée. Sous la pluie, mais dans la tente, je ne me suis pas mouillé. Évidemment, je ne me suis pas mouillé du tout. Et là, aujourd'hui, bon, le soleil, on est mardi aujourd'hui. Le soleil apparaît. Une très très belle journée. Il fait environ 22 degrés. 20-22 degrés, c'est très bien. Alors après-midi, j'irai faire un tour avec lui, on ira donner à manger aux ours qui est un peu sur tous les sites. Il a un très très grand territoire, il me dit que ça représente la moitié de la France. Je veux bien le croire, mais c'est loin. On est allé à chasser à peu près à 80 km du chalet, c'est très 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 bien. Voilà. Et là, et puis il est très bien équipé, il a des gros 4x4 avec des remorques, des quads de partout. Il a le chasse-neige pour l'hiver, c'est vraiment une belle courterie. Bon, on va enlever la poutre sur l'os, mon Gilbert. OK? Voilà. Bon, mais merci beaucoup. C'est bon, là? Allez, oui. Mais...